à Dieu. Barkwenam. Nous bénissons le Seigneur parce que dans sa fidélité, il nous permet d'être là encore devant vous. Ton pierre de Jusoba Yuri, Bala, Bam Tilema Pora, Bam Song, Ton Lebeyam Torkan Yura. Nous savons que c'est des moments d'étude de la parole de Dieu, et de prière. Ton mimitwa kat kanga ya wen nam gom na zam soro la pous wakatu. Et notre prière est que la grâce abondante de Dieu soit votre partage. La ton koson et ton pousoyette wen nam barka sin sek bouma fon yam puyere. Alors baissons la tête pour la prière. Et sous le gosut pousre yinga. Éternel des armées. Kassab wen nam. Nous bénissons ton nom. Pierre d'ayam yura. Parce que toi seul est Dieu. Balayam balayam wen nam. Et nous sommes là devant toi. La ton beyam taure. Et nous voulons considérer les saintes écritures. La ratin en fait sa goul somwa. Que ton esprit nous enseigne. Biyam si kawaza mtundo. Que ta présence nous affecte. Biyam bele masi tundo. Et que ta grâce abondante soit le partage de chacun au nom de Jésus. La tiam barka sin sek bum fo yinga yinet kan fo pure ne Jésus. Bénissons ton nom parce que tu l'as fait. Pierre d'ayam yura balad mi mitiam mana la main. Que toute la gloire te revienne. Pierre d'ayam yem din bala. Au nom de Jésus nous avons prié. Ne Jésus le ton pour sa main. Amen. Amina. Merci beaucoup pour votre présence. Et barka yam bele ma yinga. Et comme vous le savez, wayam simiwa, nous sommes encore ici pour examiner la parole de Dieu. Ton leben be kanen en face wonam gomna. La parole, la puissance de Dieu. Wonam qui apporte la solution au problème des hommes. Et je prie que ce temps ne soit pas du temps perdu, mais une opportunité, un privilège d'entrer dans sa présence pour recevoir le meilleur de Dieu. Alors, dans notre série, nous avons parlé des saints incorruptible pour alerter un monde titubant vers les flammes éternelles. Ton goma ne somme sin ka miligi menga te banam di kwera nan tas duni sin lengde nan ton le bugum sin ka sta pora. Et la semaine passée nous avons parlé des saints touchés et transformés pour être commissionné. La rabio poene tun goma ne somme simpam sisro l'absentisme on absentisme ba matement de qu'on en faire en tas de nous là. Aujourd'hui nous allons parler de l'appel gomna bolé au sein revêtu de puissance pour proclamer la parole, guérir et délivrer. Ne somme seigneur wonam panga na yele tongo mon wonam gwa kwera on mone la biolos neba. Autour de nous, nous voyons que les drogues et les alcools sont en train de semer le désordre, poussant les gens vers le feu de l'enfer. Et sangue là son gouvernement tout ne mette tap tora alcool ni rame tout ne bat pas qu'un pourra. Nous voyons que dans ce monde, il y a tellement d'intrigues, de complots, de faux coups, de cupidité sauvage, et tout cela est en train d'expédier la majorité dans un feu qui ne s'éteint point. La dune kanga pouga tun mi kameti zambo nyobeyodo wenga la tu mwes bouda fwa gili be ne ba vim pouga nanta le mba mton tien bougum se kata sa ta pouga. Vous voyez, il y a certains qui disent, mais moi je ne suis pas de cette catégorie. Ni nami la miya mamkabiel kanga souka. Mais ils sont dans les péchés mignons. La be yelwen bol bol ho pouga. Les péchés excusés. Yelwen bam sou kote men souli. La sensualité. Wa yinga ratem. La pornographie. Wa parabni rap sin la ramtaba. Un ensemble de choses dans lesquels les gens sont enveloppés. Alors ils excusent en disant, mais le monde est comme ça. Comment nous allons faire? Je ne suis pas seul. La majorité est dedans. C'est des péchés chéris. Et donc ces mêmes péchés-là constituent des pierres d'achoppement pour expédier encore la majorité dans le jugement éternel de Dieu. Donc il y a une bamba ayawa ku lakti nan tous neb kongo te tonki betonki bo secret apora. Alors nous avons besoin de la parole. Ton sernam pa monam gomna. La parole non diluée de Dieu. Monam gomna senka puli pour transpercer le cœur des hommes. Non pour neba suya. Alors regardons Romains chapitre 1. Qu'est-ce Romains dam chapitre yemeri? Le verset 16. Verset pila ayoba pora. La Bible dit. Monam sibla yela man. Il dit là-bas. Yela bea. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
aila me bala ko nora mono kanya ne mamie sida aya wona pangse far ne ninga sintera pipi ya juframba ti son pourda ya senka juframba. Alors, il dit que Taïelia, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. Balawenam telema pukodanum benitembo la netemba yinga wasongulusi netilga na vima netembo. Alors nous comprenons nous n'avons la prééminence de la parole. Wenam gomna sinteng bumfa la simbe wakati fa wa vonde. La primauté de la parole dans la vie de l'homme. La wenam gomna sindikit pipiziga ne sal vima pora. C'est le seul moyen qui met l'homme en contact avec Dieu. Ya nyinda balontun tok ne sal ni wenam. Et c'est la seule voie qui permet la réconciliation de l'homme pécheur avec le Dieu saint. Les bien ya sok kang mentun sontine ninga sey le manda pam tokore ni wana ninga sin ya songa. Un monde malade d'une simbede qui a besoin d'une thérapeutique on board tipro. Voilà pourquoi ya rin kite nous avons besoin de considérer la parole. Tu tunu ser din gesmo nam gomna et nous considérons cette parole et qui est la puissance de Dieu wana gomna sin ya wana panga en toi par jin sa tabo. Premièrement nous verrons pipi na nyenda me la singularité des saints revêtus de puissance. Et nanya na ne somwa simpini wana panga yala sinya nana. Ils sont singuliers. Et bien là ya nana. Alors deuxièmement, yibusoba les saints commissionnés pour proclamer la parole infaillible de Dieu. Wana ne somme wana sombole tome te kenga tomo wana kwera sempa vandi. Et nous verrons troisièmement la suprématie de Christ à l'assaut du péché, des démons et des maladies. Et n'ayant d'un Christ zinkenir boum ninga foi gili n'entrons jamais ni zindama ni bansi na ni elbe bouda foi. Si ce monde souffrant d'une kanga sen namhada, alors y a pas de solution divine. Ti mkabe yitwa namnenge. Qu'est-ce qui va se passer? Y a bon namane. Voilà pourquoi. Y a rien quitté. Dieu est préoccupé. Ti a namse du jusop monam. Le ciel est en mouvement afin de trouver la voie pour le salut de l'homme perdu. Alors voyons la première partie. La singularité des saints revêtus de puissance. Alors quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre Ayobe, et vous lisez le verset 8, il est dit ceci. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ah, Étienne simpini barque la panga amana bouye sirsi la bon kasem si neba soka. Alors nous voyons que les saints les vertus de puissance se distinguent. Et rien mais tu neba ne somme simpini on am si la panga. Leur sainteté de vie. Bam wole ka ne bam poupel ma vie. Leur intégrité. Ne bam burkinima. L'excellence de la grâce de Dieu se manifestant au travers d'eux. Nous on am barque si bou ma fan wa si tout le bam tomne. Afin d'apporter la solution au problème infaillible des hommes. Et voyez que la parole de Dieu dit, lorsque vous êtes en train d'être accusé, quand le saint est confronté à des hommes, admettons, voyons Actes des Apôtres chapitre 6. Makredik tumtuma chapitre yobe. Du verset 9 il dit. Verset wa ilamia. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénien, celle d'Alexandrie, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. La karundo ninga sumbonti nepsum pam lohorma karundo nep kene sin ya silizien ramla Alexandre ramba ne juif ramba singamentu wed ne kwemna Etienne. Mais il dit que il ne peut pas résister. La bande d'un patron qui ça y à sa sagesse. Ne yam ni onam son koyinda wa. Pourquoi? Boyinga. Wana mi la mia. Lorsque vous serez accusé. Tip san wa rot nyamba. Ne vous inquiétez pas. Dama ani yirie. Car la parole que vous aurez à dire. Alors gom ni yam sin na wa goma. Vous serez
donné à l'heure-même. Zi pokum balab na ngoyam koyam gom kanga. Comprenons la coopération du ciel. Et de wum lagmentaras nes arzana. Avec les saints revêtus de puissance envoyés pour la mission. Ni ne somowa signele wana pangab sun tumba wana tum na yinga. Le monde est animé par des puissants des ténèbres. Ya lik pansoar ban tête du noir. Qui ont des raisonnements et des comportements. Or, père, humainement parlant, c'est impossible d'apporter la solution. Donc, on a besoin des hommes connectés au ciel, recevant la grâce de Dieu afin d'apporter du secours aux hommes perdus. Dieu est puissant. C'est pour cela que Michée disait ceci. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, le verset 8, verset 9, il dit, mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Il s'agit de la prédication de la parole. Le Saint revêtu de puissance ne peut pas changer. Il ne peut pas modifier pour que les gens soient contents. Il dit, tu écouteras ma parole et tu le diras à mon peuple. Les saints revêtus de puissance sont fidèles et ils sont obligés de proclamer la parole de Dieu directement venue du ciel, car c'est elle qui est capable d'apporter la solution au problème des hommes. Mais lorsqu'on commence à modifier, lorsqu'on commence à atténuer la gravité de la parole, lorsqu'on essaie d'user de sagesse, une sagesse humaine, dans la proclamation de la parole de Dieu, cette parole n'a plus de puissance parce qu'elle n'est plus intégrale. Mais je prie, comme Michel disait, moi, je suis dans plus de l'esprit de Dieu. La yane sa sam pang pang ala rapid mama. Pidni panga rempli de l'esprit de l'éternel. Parce qu'il est appelé pour cela. Un monde aux oreilles sourdes. Un monde aux pensées scellées. Un monde au cœur incrédule. D'une source impatiente. Ce ne sont pas des raisonnements des hommes qui peuvent apporter la solution à leurs problèmes. Mais c'est la proclamation de la parole intégrale. Il y a un homme comme la qui apporte la vie, qui transperce les cœurs et qui tourne le pécheur vers Dieu. Cela nous amène au deuxième point. Les saints commissionnés pour proclamer la parole infaillible de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Yawoto. Regardons dans 2 Timothée. Et de Gézib Timothée. Chapitre 4. Yib Timothée chapitre Anas. Et nous lisons le verset 1. Nakana versa yemra. Là-bas, il est dit. Bene bien la mea. Je t'en conjure. Mam konta fom nore. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend. Lengue. Censure. Sébri. Exhorte. Kyore. Avec toute douceur et en instruisant. Ni sou bouksum ni wanam gom na zamsou. Gloire à Dieu. Bark wanam. La situation est grave. Yela ya yel teranga. Et le désastre est énorme. La sang ama ya wusuro. Et les saints. La nesomoa. Revêtus de puissance. Sont pini wanam panga. Sont interpellés. Bonda bamba. Et Dieu demande. Tu wanam kote. Et Dieu cherche. Wanam boda me. Un homme. Rawa yemele. Quelque part. Sembe zininga. Une femme. Para yemele. Rempli
de la crainte de Dieu. C'est pini mon âme d'abem Jésus. Compatissant. C'est un hissidik soba. Regardant les gens. Une quête ne sert là-bas. Tu vas vers le feu de la terre. C'est l'engrais d'un quin bouctenga pour moi. Et son cœur est touché. Tu vas me soulever par un si sourd. Seigneur. T'as eu les soba. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà mon amal. Et qui prie. Ta pauvre. Qui se met à genoux. Yirini. Qui dit Seigneur. Il les joue soba. Donne-moi la parole. Comment nam gomna. Afin de les détourner. Tu m'as tourné ou elle bamba. Ils sont titubants. Et quin la même l'engrais. Ils sont un peu aveugles. Et bien ouais joint ici. Les cœurs sont endurcis par le Dieu de ce siècle. Ils ont besoin de se détourner. C'est impérieux. Il y a bum si important. Parce qu'ils ne réalisent pas. Par la bamka gelengese. L'image du drame. Il faut des gens appelés capables de lire la pensée de Dieu afin d'aider ce mot. Qu'est-ce que Dieu va en trouver? Je lance l'appel aux jeunes, aux adultes, aux vieillards, parce qu'il a la capacité de restaurer les hommes, de refaire l'homme afin qu'il soit l'homme du moment. Apporter la solution du moment à un monde qui périt. On conjure. Alors, Dieu prend l'homme. Témoin en disant, je t'en conjure. Dieu, il va juger. La Jésus-Christ n'a pas encore. Il regarde Dieu dans sa compassion. Il a envoyé son fils. On te montre bien. Je t'en conjure. Mais quand ta forme non, Jésus-Christ, Taoulé. Qui a versé son sang pour la rémission des péchés. Et nous-mêmes, il va juger les vivants et les morts. Je t'en conjure devant Jésus-Christ qui va revenir pour prendre les saints. Si nous ne sommes pas sauvés, ils ne seront pas pris. Et nous ne sommes pas pris, ils vont faire face à la colère de Dieu et à la flamme éternelle. C'est de cela dont il est question. Ce n'est pas une question d'amadouer le cœur des gens, d'amener les gens à lire et à crier Alléluia. Non. Alléluia. Les gens sont en danger. Le monde est dans un complot ourdi. Il ne peut pas se lever. Voilà pourquoi il dit à des apôtres chapitre 26. Touma chapitre pisila yobe. Le verset c. Verset pila yoba pour. Mais lève-toi. Yi kinyal hingri. Tiens-toi sur tes pieds. Inyal si nouo zutu. Car je te suis apparu. Mam venga merne fom. Pour t'établir ministre. Nam vilfo nam tum tumda. Et témoin des choses. La mam kasset soba. Que tu as vu. Nem boum lisa fom sinyana. Et de celle. La boum lisa. Pour lesquelles je t'apparais. Mam sinouo ulu foma. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Ma miaka fom na basuka. Et du milieu des païens. La bozum sa suka. Vers qui je t'envoie. La mam tum na fom ebnenge. C'est une mission. Ya wana mtum de. Le monde a besoin de la parole. Dunwa boda wana mgomna. Le poison du péché est en train de ravager les gens. Yel wana zene ma sanda ne salba. Et la mission c'est quoi? La tum na ya boin. Acte des apôtres chapitre 26. Tout ma pisse la yobe. Le verset 18. Verset pilani. Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu faut beaucoup nina. Ils ont les yeux fermés. Et nina par un assutant tout mina. Ils regardent mais ils ne voient pas. Et guetta mais la panne. Ils ne comprennent pas. Et kaoumi la vendre. Il dit pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tu bam baslika wa venman nengen. Et de la puissance de Satan à Dieu. La basse sultan a sakon ampanga. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Là, te pam il wona souri la pam pour ne somowa ne wona ne somowa. Quand ils verront. Et puis ça wa miki. Que y a un lac de feu. Tu boum comme un bé. Quand ils verront. Et puis ça wa miki. Que la condamnation est propre. Tu balera kolorame. Quand ils verront. Et puis ça wa miki. Que l'antéchrist a préparé tout le terrain. Ta kriki da sala yela fonse. Et tout ce qui amène la colère de Dieu. La boum linga fonse na ikona msunda. Les gens ont les mains et les bras liés. Ne va non wa ne nous ça chepa mais. Alors ils vont se détourner des ténèbres. Et puis là on les embassa ni. Se tourner vers Dieu, quitter la puissance de Satan, et il est lié vers la puissance de Dieu, il délivre, la fara de Bamba, gloire à Dieu. Les saints appelés, ils auront la même réponse comme celle-là. Verset 19, verset Pilawawa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai
pouvez résister à la vision céleste. Mamka kil venenga si alzana ye. Êtes-vous prêt pour cela? Nyam temen sabukangingbi. Dieu nous aidera. Mwana mnasonga tundo. Au nom de Jésus. Ne Jésus yule. Dernière partie. Yolum sobziga. La suprématie de Christ. A Christ zeket bumfwa. À l'assaut du péché. Nanzabne yelwana. Des démons. Zindama. Et des maladies. Ne bansi. De quoi s'agit-il? Dati lam tubwen. Voyez. Nyam neme. Il y avait une ville. S'appelait Samarie. Tu voulais bondir Samarie, là-bas. Il y avait un grand sorcier. Se casse un bébé. Avait envoûté tout le monde. Alors quand il n'y a pas fort sort pour un. Et comme un homme. La one da yemele. De Philippe. Bio de bondir Philippe. Descendait là-bas. Da siri tenkan kura. Quelque chose s'est passé. Bon moment à toi. Il y prêcha Christ. À mon à Christ. Bien. Tout le péché Christ. Tout le sert mon à Christ. Le Dieu rédempteur du Dieu. Mon ambiga se fare. Et les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. La neb kunga da yoka mengen. Il était attentif. Parce que ce qu'ils entendaient était différent du discours de Simon, à Simon le sorcier. À Simon, verset 7. Acte des apôtres, chapitre 8. Touma, chapitre 9. Verset 7. Verset car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéri. Balasi lier wu sura en klem na men yitim ba neba la nebusuro sindaram be comme so pouga pa ma mari. Gloire à Dieu. Parkona. Lorsque la parole est proclamée. Mwanam gom na psa wa tosa. Dans son intégralité. Te kanya buma pour parce que c'est pour cela elle est donnée. Balaya bukangi la son ko gom na. Un but pour la parole. Atonam gom na tala rabo. Elle est donnée. Gom na san wa ko. Quand elle est péchée. Psa wa mona. Aucun démon ne peut résister. Ils sont obligés de partir. Aucune maladie ne peut résister. Parce que la parole se manifeste comme le marteau, comme le feu, comme l'épée. Et il n'y a rien qui peut résister. Et donc il y a la guérison, il y a la délivrance, le péché est détruit, et les hommes sont délivrés. Nous voulons que nous puissions entrer dans cette dynamique. À l'heure actuelle, Kanga, en ces derniers temps, yole, où le péché a été spécialisé et généralisé, yele, neba, tolzalta, yore, les hommes ont besoin de la parole. Neba, boda, wenam, gomna. Est-ce que vous pouvez aller et dire Dieu, me voici? Yam, tu, tiameti, aya, wenam, mam, la, woto. Comme Miché, wa, Miché, comme Esaïe, wa, Esaïe, comme Ézéchiel, wa, Ézéchiel, si nous le faisons, ton sang, man, woto. Alors les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Boutenga. Et les captifs seront délivrés. Et le royaume de Dieu sera rempli. Comme nous le faisons, Dieu va opérer le miracle. Vous qui entendez la parole maintenant, vous devez dire Seigneur, je suis dans ce lot, je suis en train de tituber, je vais vers un endroit affreux, aie pitié de moi, et comme vous criez pitié de moi, yam sang kel mon consongle ce coup viendra du ciel songra na yi arzana et comme pion waton son pouvoir la grâce de Dieu wonam lohruma vous serez accordé na yi yam pire et vous allez échapper la yam non poha à la flamme éternelle boum se kalite satan le jugement de Dieu ni wonam bukora vous allez bénéficier on tourne pas de la guérison marre de la délivrance yorsugo de la paix la fille et de la sérénité dans votre vie ni sou la fi yam vima poha et c'est pour vous maintenant pi woton yam yinga comme nous allons baisser la tête ton et quand vous priez, vous demandez pardon, c'est fait Mandame. Au nom de Jésus. Ne Jésus l'amour de Dieu est si immense que vous ne pouvez pas échapper à cette enveloppe de l'amour de Dieu qui vient sur vous. Quand vous priez, vous avez une grande opportunité de passer de pécheur à un saint de Dieu, d'ennemi à ami de Dieu, du chemin de l'enfer, vous vous retrouvez sur le chemin du ciel. Quelle merveille! Comme vous priez, Dieu interviendra certainement au nom de Jésus. Jésus. Donc nous allons prier ensemble. Comme vous croyez maintenant, mettons tout ensemble. Père éternel, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole.
Merci pour les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices. Je prie et je demande que ta parole pénètre dans le cœur, pour qu'ils se repentent, pardonnent leurs péchés et transfèrent-les de Satan à Dieu. Oui, de ténèbres à la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Mais Jésus, la mosa, les séquelles, te boum n'a force d'abord même la pourra passer les tourments, les oppressions, Satan a moins les Satan dans leur à Satan toi vu ma pourra runa. Je prie, mon pourra même la puissance de ta parole, j'aime comme n'a panga se manifeste tout ma des exploits dans leur vie. Bam vie ma pourra maladie, para soyez détruite là-bas, pas mes sang bene, oui, fort du mal, lik pensoir chassé de là-bas, libérer ses hommes, yimbasi neba, libérer ses femmes, yimbasi mtarba, esprit de drogue, drogue sira, d'alcool, alcool à sira, de cigarette, cigarette à sira, libérer ses hommes et ses femmes, sira pas ne parba, et ses jeunes, ne comme bisa, au nom de Jésus, les jeunes yule, d'impudicité, mire da sira, lâcher prise, passe ne va pas, libérer, yia, je prie et je demande, mon pour la même côté, n'importe quelle maladie, pas bout d'affaire, dans n'importe pour quel corps que le feu de la parole consume ces maladies, détruit ces œuvres de Satan. Au nom de Jésus, à pareil moment, je proclame la délivrance de la tête jusqu'au pied, quel que soit le mal, enfermement, douleur, quel que soit la maladie, hernie, tuberculose, ulcère, que le passé fonctionnel, comme le passé, c'est bien maladie de la peau, yingonga de la chair, n'importe quoi, si y a pas que le feu de la parole, plus comme la boue, consume dans cet corps, pour au nom de Jésus, soyez guéri, pas mon marre, soyez délivré, pas la puissance de la parole, nous comme la panga, au nom de Jésus, les Jésus, Seigneur, soba, confirme ta parole, puis si y a gomna, pas de signes, les bana, et des prodiges, les bon bana, au nom de Jésus, les Jésus, nous te disons merci. Pour la barque que tu l'as fait, balayant mana la main, toute la gloire, pierre, l'honneur, waura, et la puissance, la panga, soit à toi, yam et à toi seul, yam yam au siècle des siècles, zamane zamane. Nous te disons merci pour la, la barque le clayinga. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Les Jésus dans le panga tout pour sa main. Amen. Amina. C'est fait. Mana main. Et nous bénissons le nom du Seigneur. La personne va pour votre vie. Yam vie ma yinga. Restez devant le Seigneur et marcher avec lui. Et par la grâce de Dieu, en ce jour-là, nous nous retrouverons dans le ciel serein et merveilleux au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amina.